Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque euh, au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego évidemment a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieur de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots et qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche. Est souvent souvent très intéressant évidemment il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde mais même dans ce dernier cas lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment là c'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis Poissons pour ce tirage Lumière en soi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo introductive, il s'agit d'un tirage qui aura pour objectif de mettre en avant une préoccupation qui en ce moment est au cœur de votre réflexion. Puis dans un deuxième temps, on regardera les souhaits. Il serait, ce sera la deuxième ligne ici. Euh, on regardera les souhaits que vous avez par rapport à cette préoccupation. Je vous proposerai ensuite euh, un conseil du tarot et un autre conseil de l'oracle de la féminité sacrée. On commence déjà par la ligne préoccupation qui est ici. Donc on va regarder et découvrir ensemble les cartes. J'espère que vous vous portez bien en ce mois d'août malgré le temps que nous avons qui n'est pas très estival pour l'instant chez nous. Allons-y, regardons ce qui vous préoccupe en ce moment. Ce qui vous préoccupe en ce moment, donc ici vous ouvrez votre ligne avec le valet de d'épée qui est ensuite suivi par le valet de coupe suivi lui-même par la reine de bâton et enfin la ligne est terminée par l'arcane majeur qui est le diable. Donc ce qui semble être au cœur de vos préoccupations en ce moment c'est la communication la communication ou la formation, ça peut être les deux, hein, puisque le valet d'épée représente la communication, mais une communication rapide, mais également ça peut représenter une formation. Hein, le début d'une formation peut être que vous avez le souhait, euh, le désir d'initier quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui nécessite une formation pour vous, qui nécessite un apprentissage, un apprentissage d'un savoir, particulier. Peut-être que ce, cet apprentissage peut passer aussi par les réseaux sociaux. Ça peut passer aussi par euh, une formation à distance. Euh, donc il s'agit pour vous certainement d'une préoccupation relative à euh, comment mettre en place quelque chose de nouveau, mais comment mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à une, euh, un savoir que vous allez devoir peut-être acquérir. Vous ne semblez pas maîtriser pleinement ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous allez peut-être devoir passer par une étape formation, acquisition d'un nouveau savoir, euh, de nouvelles connaissances. Il s'agit pour vous donc de quelque chose qui est tout jeune, tout nouveau, euh, mais quelque chose où il y a une part affective qui est assez présente. Il s'agit euh, en fait de quelque chose pour vous qui euh, va créer aussi l'émotion, qui en fait euh, le mental, c'est-à-dire le savoir euh, maîtriser un savoir, des connaissances mettre en place quelque chose, et aussi accompagné par euh, de l'émotionnel. Vous voyez ici que ce valet de coupe, ce valet de coupe a sa, son petit poisson hein, qui est dans le dans la coupe et il, il regarde ce poisson et cette coupe de manière assez euh, euh, timide, on va dire, puisqu'il ne sait pas encore euh, si les choses vont se réaliser de la manière dont il souhaiterait qu'elles se réalisent. Puisque regardez ces deux pieds se donnent dans le sens hein, vont dans les sens opposés. Il hésite encore, hein, on a l'impression euh, qu'il se dit mais vais-je être capable de? mettre en place, de réaliser tout cela, est-ce que je ne serai pas déçu, est-ce que je ne me rendrai pas compte que euh, je ne suis pas capable de. Mais en fait, la capacité et la compétence pour mettre en place ce que vous souhaitez initier euh, sera en fait conditionnée par l'acquisition d'un nouveau savoir. Peut-être une fois que vous auriez intégré, que vous allez intégrer cette idée, cet état qu'il faudra passer par une, une étape étude par une étape connaissance compréhension peut-être que vous allez pouvoir donner euh, pleinement vie à ce poisson à cette envie euh, c'est-à-dire à cette émotion euh, qui euh, va se développer avec le temps et avec l'acquisition de ces savoirs on voit que cette notion de euh, l'action, de la mise en action, de la maîtrise de l'action est aussi euh, représentée ici par la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie euh, très euh, sûre d'elle. Une reine, elle maîtrise les choses, elle connaît son affaire, j'allais dire. Elle n'est vraiment euh, bien plus loin que, euh, que notre valet d'épée ou valet de coupe, c'est-à-dire qu'elle, elle a déjà la maîtrise et la connaissance. Et en plus, le fait que ce soit une reine de bâton, on ressent une certaine passion, ce qui nous ici confirme ce, ce valet de coupe, c'est-à-dire... Un côté émotionnel et cet élément là est renforcé c'est encore renforcé par l'arcane majeur euh, de, euh, du diable le diable euh, c'est le plaisir c'est l'affection c'est vraiment dans son côté positif parce que toutes les énergies ont un côté négatif et euh, un côté positif puisque euh, chaque action chaque réflexion chaque émotion peut être envisagée de manière plutôt négative que comme du côté positif. Tout dépend ce que vous en faites. Ce que vous allez en faire de cette énergie, c'est à vous que, que cela reviendra puisque c'est vous qui allez exploiter pleinement. Est-ce que vous allez donner euh, naissance à cette envie qui peut-être réside au fond de vous Est-ce que vous allez oser aller euh, faire cette formation euh, faire cette acquisition cette formation ce n'est pas obligatoirement passer par la case école ça peut être euh, simplement euh, lire des ouvrages ça peut être euh, discuter avec des gens qui sont déjà dans ce domaine-là aller rencontrer des personnes qui elles sont déjà euh, dans le domaine et peut-être vous inspirer de ce que ces personnes-là font de ce que ces personnes peuvent vous proposer donc euh, voilà, ce qui vous préoccupe, pour résumer les choses, ce qui vous préoccupe, c'est initier quelque chose de nouveau, mais en fait l'initier in, avec une certaine connaissance que à ce jour vous ne semblez pas posséder, qu'à ce jour vous ne semblez pas maîtriser. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, et notamment c'est quelque chose où réside, euh, on va dire, une certaine passion, une certaine passion. Et en fait, pour donner vie à cette passion, vous allez devoir passer par de l'action. Et cette action, semblerait-il, réside dans le fait d'aller chercher euh, des connaissances, d'aller chercher un certain savoir. Bah justement, cette préoccupation de mettre en place quelque chose, euh, de mettre en place, alors que même si on ne maîtrise pas, quels sont ses souhaits par rapport, quels sont vos souhaits par rapport à cette idée à cette préoccupation. Ben, en fait, ce qui vous préoccupe, ce qui semble être au cœur de, de, de votre préoccupation, c'est la rapidité. En fait, vous... Vous aimeriez que les choses se passent très très vite, hein, parce que vous voyez, vous avez ici le chevalier d'épée, le chevalier d'épée qui est l'énergie un peu plus mûre que le valet d'épée. Donc c'est l'énergie au-dessus. Et vous voyez cette rapidité, hein, cette rapidité du chevalier euh, d'épée, euh, le, le cheval, il est au galop, hein, il y va. Donc euh, on voit qu'il veut conquérir, conquérir quelque chose. Mais en fait, comme ce qui vous préoccupe, c'est... Euh, la non maîtrise encore de ce domaine dans lequel vous voulez euh, intervenir ça fait que euh, vous êtes impatient vous aimeriez aller beaucoup plus rapidement mais il semblerait que vous soyez obligé de passer par une case apprentissage parce que pour passer de cette énergie du valet euh, de d'épée à l'énergie du chevalier d'épée vous allez devoir semblerait-il passer par l'étape formation, euh, apprentissage, peut-être qu'il vous faudra un peu plus de temps que prévu. On voit que euh, ce que vous souhaitez c'est aller rencontre, à la rencontre des autres, aller à la rencontre des personnes et notamment de manière assez joyeuse hein, parce que le 3 de coupe, la 3 de coupe, euh, c'est le réseau, c'est les amis, c'est la fête, voilà, c'est la célébration. Pour vous, ce qui compte, c'est d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de, des autres de manière euh, légère, en fait. Peut-être que vous avez des amis qui sont dans ce domaine-là, des gens que vous connaissez déjà, avec, vers qui vous pouvez vous tourner pour des conseils qui peuvent vous donner d'autres indications pour bâtir peu à peu votre projet, pour bâtir peu à peu ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous souhaitez... Avoir une certaine légèreté, vous ne voulez pas avoir la lourdeur dans cette formation, peut-être c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est peut-être quelque chose qui est assez innovateur, quelque chose qui est nouveau et ça vous demande de, de faire les choses de manière progressive, peut-être en vous tournant d'abord à votre réseau immédiat et en vous tournant vers votre réseau immédiat, c'est les personnes que vous allez rencontrer vont vous aider à aller plus loin, à approfondir les choses, à rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à construire progressivement cette idée. On voit que ce que vous souhaitez aussi c'est de Plantez votre graine, plantez ce projet euh, et le laissez vivre durablement, puisque vous avez le chevalier, le chevalier de, euh, de denier, qui lui euh, bâtit les choses très très progressivement, très très progressivement, mais de manière durable, de manière durable. Donc, pour retrouver, puisque la trois la de coupe, la 3 de coupe se retrouve entre ces deux chevaliers qui se tournent le dos. Qui se tournent le dos. Vous souhaitez à la fois euh, prendre les choses de manière euh, tranquille, durable, et en même temps, vous souhaitez une certaine rapidité. Dans l'avancement, parce que effectivement, quand on a une idée de faire quelque chose, de, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, on a envie que ça devienne réalité assez rapidement, immédiatement, puisqu'on a envie de voir vivre les choses. C'est-à-dire, on a envie de voir ce fameux petit poisson grandir assez rapidement. Sauf que, si vous voulez que les choses se passent de manière durable, euh, que les choses se passent de manière durable, il vous faudra prendre le temps de, parce que euh, qui va tranquillement, qui va doucement euh, et assurer de faire des choses correctement, euh, de manière euh, assez stable, solide, pour que ça dure dans le temps et on voit qu'ici vous avez le 10 de bâton qui ferme cette, cette ligne de souhait en fait vous souhaitez vous ne souhaitez pas que ce soit dur mais vous souhaitez vraiment porter à bras de corps votre votre projet vraiment lui donner vie et vous voyez que ces deux cartes se, se font face hein, se font face donc euh, peut-être que Malgré votre volonté que les choses se passent de manière rapide et légère, vous savez très bien, vous êtes peut-être euh, conscient du fait que vous allez devoir passer à l'action de manière euh, euh, tranquille, de manière construite et de manière aussi euh, euh, progressive. Hein. Vraiment, c'est ce, ce qui ressort. Hein. Et en vous tournant vers, vers votre réseau d'amis, vers, vers, vers votre réseau de connaissances, vous, vers, vers votre réseau immédiat, vous allez peut-être pouvoir initier les premiers pas, les premiers pas, et acquérir ces, ces premières connaissances dont vous avez besoin pour donner vie à votre projet. Quel est le conseil du tarot Et ben voilà, euh, c'est beau, l'as de bâton, passez à l'action car elle est prometteuse, elle est prometteuse cette action d'un nouveau départ, d'un nouveau départ passionnel, donc d'un nouveau départ qui va vous en fait permettre de devenir cette fameuse reine, euh, cette fameuse reine de bâton. Donc Effectivement, ce que vous semblez vouloir mettre en place va nécessiter pour vous de passer par une étape apprentissage, par une étape communication, par une étape acquisition de nouveaux savoirs, mais cela. est porteur en soi euh, d'émotions très fortes, notamment d'émotions euh, qui vous permettront de réaliser, de maîtriser quelque chose qui vous tient à cœur. <laughs> Le conseil de la féminité sacrée, de l'oracle de la féminité sacrée, c'est la carte 34, la, 4, la carte 34, la tempête émotionnelle, la tempête émotionnelle qui euh, dit simplement, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Peut-être que euh, ce qui vous tourmente en ce moment... Et donc, ce qui est votre préoccupation, c'est de trouver la voie pour arriver à votre projet, de trouver, euh, de construire un business plan, si j'ose dire ainsi les choses, de construire, de planifier votre euh, vos, les étapes. Et donc, vous voyez bien ce que vous souhaitez faire, vous voyez bien l'objectif vers lequel vous souhaitez vous diriger, mais les choses sont peut-être, encore un peu confuse pour vous. Donc si vous arrivez à construire progressivement et de manière assez euh, réfléchie votre affaire, semblerait-il que vous allez réussir à initier quelque chose qui peut être durable, qui peut être solide et qui peut être surtout euh, fort en émotion pour vous. Donc, euh, il semblerait aussi que vous soyez... Vous allez être confronté, hein, comme ces fameuses vagues ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez, euh, comme ces fameuses vagues ici. Vous allez euh, parfois être dans la tourmente, dans le dans ce 10 de bâton, Vous allez peut-être être, être submergé par les choses, submergé par euh, par euh, par tout ce que vous allez devoir faire. Mais dites-vous que ce qui vous attend c'est vraiment quelque chose qui peut être profitable pour vous, qui peut être émotionnellement très fort et donc il vous faudra aussi à réussir à calmer le jeu, calmer le jeu en vous tournant vers d'autres personnes, vous tournant peut-être vers votre réseau d'amis, votre réseau immédiat qui peut peut-être être source de conseils qui peut vous aider à gérer cette étape d'initiation de quelque chose qui compte pour vous. Voilà, chers amis poissons. J'espère que euh, ces quelques paroles vous ont permis de euh, cerner euh, cette préoccupation un peu mieux. Je vous souhaite tout de même bon courage et beaucoup de passion et beaucoup de, de joie dans la mise en place de ce quelque chose qui compte pour vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre visite.